Eh bien, chers amis, nous sommes ravis ce matin de nous réunir autour de ce plateau du partage de la parole de Dieu et donc avec le nouveau groupe qui est là, de pasteurs, ce binôme en tous les cas. Nous voulons vous souhaiter une très, très cordiale bienvenue et surtout une très bonne année 2021. Nous avons passé 2020 avec plus ou moins des difficultés, santé, sociale, travail. Eh bien, nous voulons que cette année, eh bien, le Seigneur puisse nous accorder la réussite, la santé et que tout le bonheur que vous méritez, que vous avez mis en place pour l'avoir avec le Seigneur, eh bien, puisse être récompensé. Donc, que le Seigneur nous accompagne tous. Donc, cordiale bienvenue et chaleureuse bienvenue à vous toutes, vous tous qui nous suivez depuis toutes les fréquences de la radio La Voix de l'Espérance et depuis toutes les plateformes, hein, donc YouTube, Facebook et Twitter. Eh bien, chers amis, nous sommes ravis aussi d'avoir notre ami Mauna. Mauna, bonne année à toi aujourd'hui, quoi, en tous les cas, en ce lundi matin, et que le Seigneur puisse te bénir et bénir l'œuvre de tes mains aussi, hein, bien t'accompagner avec ton épouse aussi. Eh bien, il est temps aussi d'accueillir chaleureusement nos pasteurs, hein, et nous allons commencer donc par le pasteur Herhia. Yorana orometua Herhia. Yorana pe oet e matheti api. Yarido pe oet e matheti no oet o eutua fare. Ei oa oa. Ei eraterea otou et fatu. Apepiti et fatu. E maruru no to oeter ama et epepei. E maruru to tato fare et epepei. Yorana tite e Georges. Yoranat o oit imatiti api piti tautini piti ahuru maha oe. Yoranat o aia oe mauna. Ia meit eiat o oit imatiti api. O atua yoranat o, yorumitua te. Yoranat o imatiti api. E hau atua o tau te ipe me ahura tatatou whanho. Ia oa meit eitato i te imatiti api. Tiroto wa tatou te teimu tua tapapara aparau ataparuna te atua. E te aturi nei au. E hamit e hiame tato e te atua narto i tānaka. Maruru. Maruru, maruru, orometua herehia. E ala, maruru to noto e farid amai, char amai te ipepei. Hein? Alors, pasteur Te Huiari, bienvenue sur le plateau du partage de la parole de Dieu, c'est le plateau de l'école du sabbat. Hein? Eh bien, cordiale bienvenue et surtout bonne année à toi ainsi que ta famille, que vous puissiez encore cette année bien continuer avec le Seigneur, continuer à recevoir aussi des bénédictions du Seigneur. Et quand eh bien vous serez en difficulté, eh bien ça sera avec le Seigneur dans ses bras que vous allez continuer. Hein. Merci beaucoup, pasteur Te Huiari, d'être là ce matin. Oui, bonjour Georges, bonjour à tous nos auditeurs, auditrices, hein. Bonjour pasteur Herehia, Mauna aussi à la technique, et merci Seigneur pour cette nouvelle année qui nous accorde, bonne année à tous, et que de bonnes choses avec notre Seigneur. Choisissons le Seigneur cette année encore une fois, et laissons-lui nous diriger avec, dans les bons moments, comme dans les mauvais moments aussi. Et puis, nouvelle opportunité encore cette année de pouvoir vivre des expériences avec notre Dieu. Merci. Merci, merci beaucoup, pasteur Te Huiari. Alors, un petit rappel pour nous, hein, cette année nouvelle, en tous les cas, ce nouveau trimestre, nous abordons le livre d'Ésaïe. Et le titre principal, le thème principal, c'est consoler mon peuple. Et lorsqu'il y a consolation, c'est qu'il y a eu des difficultés, c'est qu'il y a eu des malheurs. Eh bien, que le Seigneur donc puisse nous aiguiller, nous diriger au travers de la leçon donc de cette semaine particulièrement et aussi sur tout le trimestre, comme il a fait dans le passé. Eh bien, chers amis, nous allons commencer par la prière de notre pasteur Te Huiari et nous verrons juste après. Merci. Notre Dieu, nous te remercions encore pour ce privilège de se réunir ce matin autour de ta parole et nous te remercions aussi pour ton Esprit Saint.
Et nous voulons demander encore une fois le sang de Jésus sur chacun d'entre nous et que tu puisses nous diriger, nous éclairer, nous rappeler ces messages que tu as envoyés à travers Ésaïe et que ces messages puissent encore résonner dans nos cœurs, nous ramener à toi et de tout notre cœur. Merci de bénir chacun d'entre nous et nous voulons te remercier encore une fois pour toutes ces grâces que tu nous accordes et nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, chers amis, juste avant de lancer notre partage, de démarrer, c'est juste un rappel. Nous ne sommes pas en direct, nous sommes en enregistrement et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur nos plateformes et nous serons très heureux de vous répondre, de répondre à vos questions. Et si toutefois vous voulez avoir un accompagnement particulier, eh bien, des personnes seront dépêchées chez vous ou bien en groupe pour que vous puissiez eh bien avancer dans cette étude de la parole de Dieu, l'approfondir pour connaître un peu plus le caractère bon de notre Dieu. Eh bien voilà, chers amis, aujourd'hui nous allons ouvrir une nouvelle semaine et le titre de cette semaine s'intitule « Crise au gouvernement ». Alors, nous avons vécu une période de crise qui continue encore et nous espérons que bientôt, pas seulement avec les vaccins, mais aussi avec nos moyens que nous mettons en place, nous maintenir en bonne santé, les gestes sanitaires, la mise en place des gestes sanitaires, de continuer donc pour pouvoir eh bien, éviter d'avoir ce virus et booster notre énergie, notre métabolisme. Eh bien, aujourd'hui, cette semaine, nous allons voir aussi nous allons voir cette crise au gouvernement et le premier verset, ou le verset qui va être qui va nous servir de base, comme verset de base, se trouve dans Ésaïe chapitre 3, verset 1. « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bas de son vêtement remplissait le temple. » Eh bien, chers amis, cette semaine, nous allons examiner la crise gouvernementale en Juda et les tristes conséquences qui s'en suivirent. Nous allons aussi voir des dirigeants forts, dignes de confiance et responsables pendant cette crise gouvernementale en Juda. Alors, justement, par rapport à ces conséquences, Pasteur Tehuyari, notre première question est celle-ci. Quelles sont les conséquences qu'il y a eu dans le pays de Juda? On rappelle que c'est le pays de Juda, ce n'est pas tout le pays d'Israël, parce que Ésaïe est prophète de Juda, et prophète en Juda. Donc, quelles conséquences y a-t-il eu sur le pays lors de la mort du roi Ozias? Merci beaucoup, Pasteur Tehuyari. Ton micro, voilà. Alors, peut-être rappeler aussi un peu hein, l'historique par rapport au roi Ozias. Donc, le roi Ozias est venu sur le trône à l'âge de 16 ans. Voilà, et on va dire que le roi Ozias a bien commencé, en fait, hein, son règne. Il a régné 52 ans à Jérusalem. Et puis, on nous dit dans 2 Chroniques, chapitre 26, le verset 4, « Et il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, donc entièrement comme avait fait Amatia son père. » Verset 5, « Il s'appliqua à la recherche de Dieu pendant la vie de Zacharie, hein, dans le prophète. Hein. » Après, on nous cite tout ce qu'il a fait. Il se mit en guerre contre les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins. Sa renommée était tellement grande que les Ammonites venaient lui faire des présents. Donc, il a bâti des tours. Donc, on voit que
pendant le règne du roi Ozias, eh ben, il s'est appliqué à obéir à l'Éternel et Dieu l'a béni, Dieu le soutenait. Donc, c'était une bénédiction aussi pour le peuple de Dieu, hein, d'avoir un roi qui est obéissant. En général, quand le roi est avec Dieu, le peuple suit aussi. Donc, et c'est pour cela que c'est bien d'avoir un roi qui suit l'Éternel. Mais on va voir aussi que dans sa vie, à un moment donné, le cœur du roi s'éleva pour le Père, on nous dit, hein. De Chroniques, chapitre 26, le verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le Père, il pécha contre l'Éternel son Dieu. Alors quel était son péché? Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Nous avons très bien que entrer dans le temple n'est pas une chose qui est possible à tout le monde. Hein. Donc, c'est exactement les Lévites qui pouvaient le faire. Et puis, Ozias n'est pas prêtre. Hein. Donc, mais certainement parce qu'il a atteint une certaine puissance, hein, il se croyait tout permis. Donc, il voulait entrer dans le temple et lui-même brûler des parfums. Donc, la conséquence de cette désobéissance, eh ben, c'est qu'il est devenu lépreux. D'ailleurs, il est devenu lépreux toute sa vie, jusqu'à sa mort. Et le fait d'être lépreux, ben, ça l'a mis dans une situation délicate, puisqu'il a, il a dû être mis de côté, hein, du fait de sa maladie. Donc, déjà là, ça a beaucoup déstabilisé en fait la gestion du royaume, parce que, étant donné qu'il était lépreux, ben, c'était difficile pour lui de gérer, hein, ce royaume-là. Et on dit que c'est son fils en fait qui a pris la relève, hein. Donc, déjà, on voit là au niveau de la stabilité de la gestion du royaume qu'elle est faible, hein. Donc, au niveau administratif, eh ben, le roi qui est malade, et puis et en plus, le roi qui en vient à mourir, hein, comme on voit dans Ésaïe chapitre 6, verset 1, l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc on voit ici que Ésaïe a cette vision, alors que la situation est terrible. Hein. Donc, le roi meurt, donc c'est catastrophique. Quand un roi meurt, ben, il faut penser à la relève. Donc le peuple de Dieu est dans une situation, on va dire, instable. Hein. Et c'est une opportunité aussi pour les rois aux alentours, eh bien, de profiter en fait de cette faiblesse du peuple de Dieu. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu va donner à Ésaïe une vision d'espérance, hein, une vision d'espérance, une vision pour recentrer un peu les choses sur les choses essentielles, hein, un peu comme pour nous aujourd'hui. Donc, on traverse des moments difficiles avec cette maladie, hein, ce corona, et on pourrait déstabiliser aussi de se dire ben, comment est-ce qu'on va faire? Il y en a qui ont perdu le travail, il y en a qui sont décédés, etc. Mais Dieu voulait recentrer les choses sur les choses essentielles, on va dire. Hein. Donc, il va montrer cette vision à Isaïe pour le conforter sur ce qu'il devrait, les choses sur lesquelles le peuple de Dieu devrait se centrer, c'est-à-dire Dieu et sa situation face à Dieu, on va dire. Donc, on pourra développer cela aussi un peu plus tard dans notre étude. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Tehuyari, hein, pour ce cadre, hein, que tu as posé, donc ce cadre historique et économique aussi. Donc, merci beaucoup pour ta réponse à ta question. Donc, Pasteur Romitua Herehia, Nenhea Netaoe, Promoihap et Mou, comment on a dit, conséquences. Et après, il y a
te poer ap i te ri o o o tia o, como pardon o tia o tea o tea te poer at te ri e hap i te e hap i te tupu mai i roto te puput ata o yuta tona poera maru mai te i orometu a herehia. Ta maruru me te isos no te iwi a ta o, ia? E ina ato ha maruru urumito te hui no te i no te haa maramaramara ai tātou te ipupu. O e maua te ar i utia. Wa whaar ome nei tātou. Te ar i utia. Wa riro maina e ar i i te mate i iana i te ai nso te huru maonora. O e huru maonora atu mate hiti. Tona riro a mei e ar i. Ya I ni wo paru ya I api ro fe api tene ya te yo na mi ta to te amu te di uti e ite ta to e ya ite mat uti tu ya ite ye o te fatire re to na nun a ya o chin aro te tu trara e lo to ta to tu ta papa e tro o te hepetoma e ite ta to ite hope a o ta na ta venira ite hope a o te iar I utia e I te tātou te te tauira. Te te tauira e I te tātou te te hararahi. Hei tāna e rawe e, no te o te aro atu I te atua. Tere no te pahono a I te iwi a tā oe George. Tamatana pa I a tātou 50 Februari. Hau tātou hui mencho ta tātou wira. I te tau I tera era e piti, nahe parou nahe, piti rā tere. I te raere tera ratu. Te vera tera atira I te pe au totiare, tera atira te pe au whaehau, tera atira I te pe au moni, e tera atira te ar ia. E te teir atira te perofeta ia, tera atira I te pe a varua, te vera te perofeta. Tenei, I unei to te tatato tua tapapara, wa hia, wa poe, wa mau to e atira. Tamatana e tatu te whiruri, to e nu, a te pe e atere tonu, a te atira tonu. E hapa e tūru. Tamatana tatu mi te pe unei porinetia wharani ne, a te pe to tatu peretitimi. Ora e wharani, a te pe to tatu peretitimi. E mano ana e o tatu orto te tei, toto te tei tau e wiwira, te tei tau e euho e imiho a te tei mononona. Tenei. Ya apara un e tato e te parau no te moni ane o re tapi o a e topa at fofa o te inu. E topa at fofa. Hau atua tara. Hau atua. Mitau whaahiti hora. Te ia I e whaatere o re ratira no whaehau. Tenei mitu pau. Ten u whaehau. Ai te ratira. Oi ta rato e paruru. Mena fia ta rato e paruru. No te mea. No te mea e... E whaatupu no rato te paru tatea I e parau. E ta tato I te rei te ipipu, I roto e ta tato I rawa tāma ua, I te ia te pene ono. E te rawa mātāmoa, te iotu o nato te reo tehiti. I te matheiti I poe I te ira o utia. He o atura wau, ia Yehova I te parahi a ia I te toro no teitei e te tenteni. E wa iho I te hiero I te hiti ahu roroa no nā. Tene te ite ra tātou I unei a I te iot papa I a te iroa. Wa poe te ia te ar I uti. Tenei, ia poe na te teir atira, te teir whaatere, I te tau o I tara era, e I roto te puta pararepo meno, te puta te mauar I, te puta tamuera, e I te tātou te maupene, te maupene muri te tei pene, te vera te tei, na he porona, te tei tau I ari, e te pinepine ra, me te pau e poe te teia I, o e te mono mei ana. Tāna tamaiti. O e te mono mei, te tamaiti. Tenei, hui nai me tātou, e hapa e mo hupa, nien he e tupu, or e tupu nei, no I tera ira tātou. I hato o tātou haam o, I te, I tera 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 rātou, te veit ora te te nūna, rarai, atura, te e nūna, puai mau. Tene mita pau hin aro te enu a e hare mai. E haru ya iuta, e haru ya itaraya. Mana ona e o te ik te metano, no te mea te ar iu ahau. Te ik te metano no te hare mai haru te enu a iti.
tenei tu atapapa tato e apara tato, te parau no te ururer a, orera te fifir a, iroto i te whaatere a, i uta, i o itarai. Rari pete te momono, no te pahano rai te iwi a matamo ta o Jesus. Maru mai te i orumitua herehia, no ta o e pahano ra ta tatou wira te ipepui e te i amuto ta o e whatia nei no iuta no te i ar i utia e no te i enun a atura. Alors, pasteur te hui ar i, tu nous disais que le roi Ozias, lorsqu'il est monté sur le trône, il n'avait que 16 ans, effectivement, et il a marché droit devant l'Éternel pendant des années. Hein. Alors, 2 Chroniques 26, verset 16, « Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre, il pécha contre l'Éternel, son Dieu. » Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Il n'y a pas de mélange. Et ce que le pasteur Herhia aussi nous disait, c'est qu'il y a bien cette séparation-là entre le spirituel, le religieux, et l'État. Hein. Donc, le roi Ozias a voulu donc toucher à un domaine réservé aux prêtres et aux Lévis. Quel est le souci ici et quelles sont les conséquences? Pourquoi il a voulu toucher à ce domaine-là et quelles en ont été les conséquences? Merci beaucoup. Oui, merci Georges. Le roi a été prospère, le roi a été béni. On peut imaginer que dans la prospérité, ben, son orgueil, on va dire, l'orgueil a pris place dans sa vie. Hein. Mm. D'ailleurs, le verset lui dit lui-même, hein, dans le Chroniques, chapitre 26, le verset 16, « Mais lorsqu'il fut puissant », donc on voit ici qu'il, quand il est arrivé à ce stade de sa vie où Dieu l'a béni et que Dieu a permis qu'il arrive à une puissance au niveau de son royaume, on nous dit que son cœur s'éleva pour le perdre. Mm. Est-ce possible que la prospérité nous amène à nous éloigner de Dieu? Certainement, hein, la prospérité, c'est une bonne chose. Hein, mais si on n'est pas prudent, si on ne se rappelle pas nos premiers jours, comment est-ce que Dieu nous a dirigés, nous a guidés, et qui est à l'origine de toutes ces bénédictions et de ces grâces, ben, on peut penser que toutes ces choses nous sont propres, qu'elles viennent de nous-mêmes. Mm. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec le roi. Son cœur s'est élevé, certainement pour dire que la place de Dieu a disparu dans son cœur. Hein, mm-hmm. Et que c'est le moi qui a pris la place. Et on nous dit « il pécha ». Donc, le péché avait déjà commencé dans son cœur avant même qu'il ait passé à l'action. Hein. Le péché du roi Ozias, c'était d'avoir pris la place de Dieu ou de vouloir prendre la place de Dieu. Et voilà. Et voilà son péché. Donc, il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Chose qui n'avait jamais été faite. Hein. Donc, c'était les Lévites qui avaient cette responsabilité. Dieu même avait chargé, on va dire, cette famille, hein, de s'occuper de la prêtrise, de s'occuper du temple, les sacrifices. Il y avait toute une préparation, tout un rituel. Et on n'entrait pas dans le temple comme on le voulait. Même les Lévites eux-mêmes, avant d'entrer dans le temple, eh bien, il y avait une préparation. Chaque prêtre devait se préparer, devait se mettre à part, mettre tout péché de côté et s'assurer qu'ils étaient en relation avec Dieu. Mmh. Et voilà que le roi, comme ça, parce qu'il a décidé, parce qu'il se sentait arrivé à un stade où il se disait peut-être qu'il avait atteint une certaine puissance,
Et il pensait en tout cas qu'il pouvait accéder à cette faveur de pouvoir offrir des parfums dans le temple. Et malheureusement, c'est pas parce qu'on est puissant qu'on peut tout se permettre. C'est comme Pasteur Elia le disait, hein. Dieu lui avait accordé ce droit d'être roi, de gérer le royaume dans le domaine social, dans le domaine administratif, dans le domaine financier. Mais Dieu avait choisi les prêtres et les prophètes aussi pour gérer le domaine spirituel. Donc, peut-être une leçon pour nous aujourd'hui, à comprendre que Dieu nous a donné des responsabilités et ces responsabilités ont des limites. Et nous devons apprendre à respecter ces limites, malgré que nous réussissions dans notre domaine, hein, qu'on soit dans un domaine financier, quelque travail que nous avons, peut-être qu'on est vraiment épanoui dans ce domaine. Mais rappelons-nous que c'est Dieu qui nous accorde ses dons ou ses talents. Eh bien, si Dieu nous appelle dans ce ministère, dans ce travail, ben, qu'entend-nous, hein, à moins que Dieu nous ait appelés à autre chose, et apprenons aussi à respecter les autres domaines si Dieu ne nous a pas appelés dans ces domaines, et surtout de se dire que de ne pas tomber dans le péché du roi Ozias aussi, de ne pas laisser notre cœur s'élever, toujours rester humble, et puis de se dire c'est Dieu qui dirige tout, c'est Dieu qui possède tout, et c'est Dieu qui mérite de recevoir toute la gloire. Ok, merci. Merci beaucoup, Pasteur Tehuyari. Hein. Voilà, il y avait bien un enjeu dans cet acte du roi Josias qui n'était pas un acte anodin. Enfin, dans 2 Chroniques, chapitre 26, verset 16, Te mau atirevi ana e, te mau perofeta ana e, ratau ana tenen he e tomoro to te wahan. Tene, tena ora pa e te uira, e hapa e te fifi. E hapa e te fifi. Te hinaro ne, iroto te pararepo meno piti, e te pene piti ahoru maono, a tato te ora i te irawa ahoru maono. Nā tō te reo te heiti, e te pei parau hia rā tā rā tā o i tō mua rā o te irawa nā tō te reo wharangi. Tā pei parau e me los ki fū pisa. E ana riro a mai e pūwai, e mana, e pūwai, mana hupu e, tēnei e te pei tā rā tā o nā tō te reo te heiti. Nā tō te reo te heiti, me hare ro ni shou te mea, e nā ora nā tō tā tō irawa, eta era o ia, wa te o te oa era e pue atu. Ere me hare noa na chiti. Te rei, nā ton e treo whrani, te parorahia, te parohia ratara parawa, me loski fu pisa. E ui e tātou, i te hiapa i te me ona te riro a me te teia i pua i maua. Tenei, mi te pau iau i a tātou maramarama, iau i a tātou tei oroa me te umua o te penepiti o horu maono. E i te me tātou, te mo hau pāt o tatea i utia i ravo. E me meit eina. E no te hā me meit ei, e te o tu o ia te irawa pē, te o tu o nā tō irawa nā tō te reo whrāni nā mō, 2 Kronik 26, verset 5, i saplika a recherche Dieu. Tra, nā tra mea, e wha ariro ia te ari utia,
ia i mana, ia i pūai ma. Nā te ime, no te mea wā imi o ia i te atua. Nā tō te te roteti, te imira o ia i te atura, i te ora a te tāriāra. Tēnei, i te rā tātou, i te hea teime te tehi ar i utia, i te rira o ame ia i pūai, ia i mana, i te teime o ia a imi ei tōnā tūa. Tēnei tei o ame tātou te pene, i tēnei ame jo te ira o ahuru maono, e tau. Tēnei, para maurua, te e hupa, o te tutu ira e te eno an oa i roto i te hiero te atua, e ere nā te ati, e ere nā rātou te hupa, e rau, nā te mau ati revina. No te ha, e hat fifi, e hau, e hau i a tātou hau i rome i roto i te amu o mō te rau a aro. I te teime maiti e, at a e hia, nisa pā, sot i fi, at a e hio a aro na e opu o revi. No te i e hupa. Nā wei ata e i arato. Nā wei ha ampua i arato. Nā te atu. Nā te atu e hio. E tarachin aro te atu. Ia nien he noa te atu e tona puput ata. E te tei a rei roku. Tra a rei roku, tra ia nu a ati revi. Tra ia perofeta. Tarachin aro te atu. Ia tato ham oe, e hachin aro te nu a itera er te matamu. Hio atura te nun a itera chiti, te te monu a i, ia i tō rato. Ia tō pa e tato, ni neto e tato e wari no me te teit ata iar i. Pātu putura te atua, tō rato hina. No te rea i te pepei, e poe te e whātere, te e rātira, i te pe au nu, i te pe au totiare, i te pe au tapihora. E topa te whātere, tō e no mei, peroferta i teia. Ta tātou ia i tua tapa maa. Tēnei iha te hupa i tuku inso te ar i utia. Ta tei o nā me tātou te hoko ar a o te pene piti a horu maono o te pararepo meno piti e i te tātou. E riri te atua. No te ha. Te ie hupa tāna e rawe, i rawe, te tei te ie hupa moa. Te ie te tei hupa at a e hia e te atua. Miza pā. Ha am ohi e te atua. Te mo ati revin ane ni he e tap e ati imo uhi. Tenei, te on ame te tato te te mo irawa, e ihi o te ari utia i te repera. I te tau o i te raera, te repera, te 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 ie mai haer iri iro. Pene e pā te ie tau ta tato e ora nei te e mai repera, koro oa pā te te mo mau rā au no te rapa au ai te hi mai, ai te uite. Me i tra rato, i di iar oin e hia te teit ata, i te i mai repera, e a te aro hia o na rā pe au i te nun a. Tene tamatana pa i tato te whiruri tēnei, e i hoi te ar i utia, o i hia te repera, no te haratana i rawe, i roto i te i hieru. E tuia i a tato i ana i o, i a tato haam oe, e rā tira tara, no te nuf ai hau. No atua o i ona te repera, nien he no atua ona e parau atapar heitara, aharetara, arotara. Tenei, e ha hupa e tupu in so te ar i utia, e ia tei o nai me tato tatato mo i rawa, te ie hoa ia te, nahe parona, te pene hopea, o rara te mo i rawa hopea, no te orat au te ar i utia. Tona harara i muai te atua. E hap ia te hara. E nā ora ta tato i rawa, eta era oi. Wa teo teo era e poe atu. Tara teo teo, tara vaur hei. Eia wā rahei hia wo, wā mana hia wo. E tō tā wā o hau tu te atu. E thei te hapi rano tato tō te ipu. E ia, te parau mā. Te pupu tātā te atu, e ere te aero, e af i on. E af i on. Tēnei, i hara e a riro tātou e afi, i roto ane te tātou mō wahiro e rahupa, o reit whare hapi, mi te peo riro tātou e premier te tātou whare hapi, i hato e nā tō tātou e hahare a tātou ni, tēnā aura tōpa e te i roi tōtou parau nā te atua, wehi o tātou, nā te atua e whateitei a tātou. Mi te peo whateitei tātou shui a tātou, i e te hi o rā te ari te ari utia, nā te atua e shui, e whahe aroa te ari utia. Te mō pahonora,
Maru, maru, mate, or metua herhia, nota oimo pahonora, comment dire, bien, bien complète là, mais complet, mate, maru, hein, pardon. Alors, pasteur Tehuyar, il toujours, toujours le même texte, hein, donc de Chronique, chapitre 26, verset 16, il nous dit que son cœur s'éleva pour le perdre. Alors, pendant l'essor de la puissance du roi Ozias, qu'est-ce que, est-ce que la spiritualité du peuple s'est-elle améliorée ou bien que ça s'est, détérioré, hein? Et peut-être une deuxième question qui va un petit peu avec la, cette question-là. Le Seigneur a placé des responsables à certains postes de son Église. En tant que responsable, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous, hein? Voilà, Ozias, pardon, était le responsable au niveau de l'État. Mais voilà, qu'est-ce que Dieu attendait de lui lorsque il a eu cet essor-là par rapport à son peuple? Et qu'est-ce que Dieu attend des responsables aussi de l'Église par rapport au peuple? Merci beaucoup, pasteur Tehuyari. Oui, merci Georges pour la question, hein. Donc, au moment où le roi avait atteint, on va dire, cette renommée, cette puissance, hein, c'est vrai que le roi, dès ses premières années, avait suivi l'Éternel, comme pasteur Hérihia le disait. Hein. Mm-hmm. Donc, de Chronique 26, le verset 4 nous le dit, « Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. » Le verset 5, on nous dit, « Il s'appliqua à la recherche, à rechercher Dieu. » Donc, on voit ici que, et même le verset 7, on nous dit, « Dieu l'aida contre les Philistins. » Donc, on voit ici une bonne relation entre le roi et Dieu. Et puis, on peut penser que le peuple d'Israël, certainement aussi, hein, a suivi le chemin du roi. Mais quand nous lisons le chapitre 6 d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 6, hein, quand on voit tout ce qui est dit dans la vision et ce que le prophète voit, il voit le trône, il voit les séraphins. Et puis, au verset 5, voilà ce que Ésaïe va dire. « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi. » Donc, dans cette vision, Isaïe voit le roi, Isaïe voit Dieu, et dans cette vision, il se rend compte, en fait, de son péché. Et il se rend compte combien, malgré sa relation qu'il a avec Dieu, eh ben, il voit bien la différence, que Dieu est saint, 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 trois fois saint, et que lui, il n'est qu'un simple pécheur. Et même, il se voit aussi pécheur que ce peuple. Et on verra juste en bas, au verset 8, « J'entendis la voix du Seigneur, disons, qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Donc, voilà, au verset 9, Ésaïe qui répond à cet appel, hein, il dit, je répondis, me voici, envoie-moi. Verset 9, il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Verset 10, rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux et n'entende point de ses oreilles. Ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Donc, on voit ici que quand on lit ces paroles que Dieu dit à Isaïe, on pourrait penser que c'est Dieu qui endurcit le cœur du peuple d'Israël, c'est Dieu qui rend le peuple sourd. Et en fait, ce message est simplement là pour nous dire que ce n'est pas Dieu qui endurcit le cœur du peuple. Ce n'est pas Dieu qui endurcit le cœur du roi. Mais c'est l'orgueil de chacun qui fait que nous sommes rendus sourds aux appels de Dieu et nous sommes aveugles aussi aux signes que Dieu nous envoie. Quand on lit le livre d'Ésaïe, donc les premiers chapitres, de chapitre 1 jusqu'au chapitre 39, sont des appels de Dieu, en fait, à son peuple, à se repentir, à revenir à lui de tout son cœur.
parce qu'il s'est éloigné. Il est allé après d'autres dieux, après des idoles. Et ils ne se sont plus, en fait, dans... Nous avons un petit souci avec Pasteur Tehuyari, souci de connexion. Voilà, on va... Pardon, est-ce que tu peux revenir, s'il te plaît, Pasteur Tehuyari, sur ta dernière phrase, parce que nous avons été coupés 10 secondes. Merci beaucoup. Alors, je disais que... Alors, je ne suis pas sûr où est-ce que ça a coupé. Hein. Mm-hmm. Bon, je vais essayer de revenir là où... Voilà, un petit peu en arrière, voilà. Merci. Voilà. Donc, je disais que le cœur du peuple de Dieu s'est endurci et qu'il s'est éloigné à cause de son orgueil. Et donc, alors, j'essaie de... J'ai un peu perdu le fil, là. Mm-hmm. Pardon. Oui. Alors, est-ce que la spiritualité du peuple ici... Non. Ouais, la spiritualité du peuple de Dieu ne s'est pas améliorée, d'ailleurs, comme je le disais, hein, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 39. C'est des appels constants du prophète Isaïe envers le peuple de Dieu à revenir à Dieu. Donc, ça fait beaucoup de chapitres, quand on voit, hein, chapitre 1 jusqu'au chapitre 39. Dieu qui appelle son peuple à travers Isaïe. Mmh. Et dans ce chapitre, le chapitre 6, on voit bien que la spiritualité du peuple de Dieu ne s'est pas améliorée, malgré que Dieu les a aidés, malgré que Dieu a été avec le roi Ozias, eh ben, le peuple est resté orgueilleux et puis c'est conclu en fait dans ses idoles, a préféré en fait ses idoles que son Dieu. Ok, merci beaucoup, Pasteur Tehuyari, hein, pour tes... Voilà, vos deux réponses à vous deux, vos deux interventions sont assez complètes, assez bien fournies, hein, et bien nourries. Merci infiniment. Orumitoa, Herhia, Nihono ho te iro wa tatatou, de Chronique 26, verset 16, na oropei tona aau wa teitei e wa hia ona teitei atona aau. Alors, puer a mepei te ie aria, e a churu te pe au morare, te pe au, comment dire, religieux, pardon, varua, pe au varua, maruru, ormete uherehia, e a pei churu, te puput ata o iuta i trataimea, pe au morare, pe au varua, e hoea uira no tatou te emhana, ua tupe i e tu te fatu, te mout ata i te mou wahai no rototona e te taritia, mpura wahai fawfaar hei roa, e hapa i ta te fatu ti eira, iho te ie mou whea tāna i tū, i te ie mou vahai important. Fawfa, maruru. Ta maruru me te izaos, no tō oe tū tō tō a tūri a me kata tūri a maruru me te. E pora oe a tātou te pupu, me te peu, te veira te teir atira, o reira te teir i, o te niu hi en jo tin aro te atua, e poro i a wawe te ora a pēwaru o te nun a, e mei te ehi ona. Hmm. No te mea te vei nua rai atara atira. I te teime e riro mei e te ar i utia e ar i puai, e ar i mana, me ta tato i parahone e to te pararipo meno piti, e piti ahuru, te pene piti ahuru maono, au mua rao tatatou pene, te whahitira te mau taimeat oa i imiei te ia i utia i te aro o Yehoa. E te naot ora te temo irawae o tauturu Yehoa i te ia i utia. Tene porop e avou i te teime, i tra teime, wa riro ia te atir a o te atua e te ia i utia te atir a tamau.
te fi api a mait e e puai. E poro ia wo, mi te pau, to ura atira, to uf atere, wa niu hia ona nishi, tona api a e chio te atua. E poro ia wo, te nu a, ta atoa, tona pae warua, tona pae totiare, e mait e paurua. Trara, e ite me tatou, e ite toa e te hupa e maororua. Ko te ha, e tae mei tara vaurahi, e tae mei tara teo teo, e tae mei tara whaateitei iau, no to upue, e nga tara, e haatopa, i hanoa te ari, e haatopa te num a taato. Te ie e tate puta i te ia e paraunei, i toto tatato tua tapapara a, pero toto o tatato i rawa tamo. Te paraura i te ia, te teimo pi a, te pine i te ia, te pine i te atua, i te nun a i te rae. Te ie nun a, ma e ti ta e hia non, a hau mei te atua, hau mei te atua. Tra anua te pi a te atua, hau mei te atua. No te ha. E tua tapapara e me tato te puta tamuera, te puta pararepo meno, te puta te mauar i. Te teme, te hoer i, e niu hia tona tana whaterera, nisho tin aro te atua, e meit e te nun a ta ako. Me te teime, trara te teime, te hoer i, e tona wha o te parua te atua, e i te tato te hupa e tupu nisho te nuna. E ino te pae au pae au totiare, e ino te pae au fofa, e ino te pae au no te paruru a te uf aihau, e ino te maume ato, me te pau e te tato i e atupu tin aro te atua. Te pe no te pahono ra te uir a matamo, e te piti o te uir a, te watu a em te atua o re rato tato fatu. Te teimo ta ata to te teimo tuho ardo ta tato i tariti. E paramau, e ti e meire te atua te te ehupa i a tato. Tato o te rheira o te tawinira to tato atua ro ta tato mo i tariti. Hia o hinaro e atu tonu to tato mano i te ipipu. Atu tonu o to tato mano i te ipipu inso te emo irawa ta tato i te uhuni. Yuri to te pararepo meno piti, pene piti ahoru maono. Irawa pae, irawa moha, irawa hitu me tat uru me tua te hiwe paraura. Tra teime i imi e i utia e tin aro te atu, i te aro te atu. E mono ne ho no tato e i fatere, e i arat e i no te tare tia i te te mhana, e iau ia tato nga muaro, voshone e to ua tua, e iau tra ati a eruto pui maua i a ati, no te ha. No te mea ha, ho e te atua e tato, e meit eit e tare tia. E meit eit nunga, e meit eit utua whare tatato e orame, e meit eit mo mea atua. Ai tō paraura e tat oat ino e hare mai, o ia. E ora noa e tato to te ao, e ora oat meit eit ino. E te wahei e fauwhaar hei roa, ai tō tatani aro ora. Te mo ata e tarato i ati i te atua. E atira, e aro ora tatani, e tunun a te puput ata te atua o te atira ni cho iana. Tene te hinaro neo whahau to tato muna o i mei. Tene no tato e whaatere no etaretia e whaatere ane no te teimo de parte mo to etaretia. E eu to tato ra at pae wārua aro. Nā muaro. To tato atira e to tato atu. E eu tra atira i a vai tamono. Hou atua no te matiti api ta tato e hare nei. Pro mou, e rawe hei mo e taretia o ha api tarato mo nomino a tarato mo fatere a nei wa tawiwi a nei te teimo fatere o departe mo. E para o mi te peu te e tawir a. Ti nisho tin a ro te atu. E tara ati a to tato e to tato atua me a ho e para o e a tato e manuia e taretia a te atua. Te tato e manuia, iha tato e para o e o voti manuia. O wau te oro metua ti manuia eita, e manuia e tari ti a te atua, i te e matiti. Tari pe te temo pahono ra, te e George no te pahono ra te e mauri, Maruru mai te i oro metua herehia, no ta tatou mau pahono ra te pepeu ia. Alors, le pasteur Tehuyar I, même les hommes honnêtes ont besoin d'accompagnement, sinon ils risquent de devenir si fiers des bénédictions que Dieu leur a accordées que les éloges et les louanges des personnes du monde seront pour eux
une incitation à afficher leur grande sagesse et leur connaissance. Donc là, nous avons besoin d'humilité. Mais est-ce qu'il y a un dispositif? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un dispositif d'accompagnement pour nos personnes responsables, pour nos pasteurs, pour nos présidents, afin qu'ils puissent rester toujours humbles et rester toujours sous la guidance de Dieu et que l'orgueil et la fierté ne puissent pas venir mettre ce grain de sable dans la belle machine? Merci beaucoup, pasteur Tehuyari. Merci, Georges. Hein. Alors, au sein de l'Église, je pense que le dispositif mis en place, hein, ça vient de Dieu lui-même. Hein. Dieu qui nous encourage à le rechercher de tout notre cœur, de le mettre en premier. On voit ça à travers toute la Bible. Hein. Donc, Dieu qui appelle son peuple à le mettre en premier, à faire de lui son Dieu. Et à travers aussi le livre d'Ésaïe, on voit cela. Hein. Donc, déjà même dans le chapitre 6, hein, Dieu qui intervient lui-même dans la vie d'Ésaïe, quand il lui montre sa sainteté, il lui montre ce contraste entre la sainteté de Dieu, la perfection de Dieu et l'imperfection d'Ésaïe, et ce sentiment d'être mis en face, la perfection et la sainteté de Dieu, nous amène à réaliser en fait notre état. Je pense que c'est ce qui a été contradictoire avec la vie du roi Ozias, hein, c'est que le roi Ozias, lui, a voulu faire ce pas d'aller vers ce Dieu. Alors que dans le cas d'Ésaïe, c'est Dieu qui se montre à Ésaïe et qui lui montre sa gloire afin de pouvoir lui amener aussi, lui, à cet état de sainteté. Et on voit ici, hein, comme je le disais plus tôt, une fois que Dieu s'est présenté à Ésaïe, ben voilà ce que Ésaïe va dire: malheur à moi, je suis perdu. Je pense que ce dispositif, hein, peut-être qu'on appellera comme ça, hein, ou ce moyen que Dieu met en place, est un moyen pour nous rappeler qui nous sommes et rappeler qui Dieu est, et cela nous permet de rester humble tout au long de notre vie. Alors que on peut parler d'Ésaïe aussi, qui lui était devenu populaire, hein, à son époque. Donc, c'était un prophète peut-être qui apportait des messages, mais ces messages n'étaient pas forcément aussi reçus favorablement par le peuple. Mais on voit ici que pour pouvoir rester humble, eh bien, c'est de voir, de réaliser la sainteté de Dieu et de réaliser notre état aussi. Alors que dans le cas du roi Ozias, lui a oublié que c'est Dieu qui l'a envoyé à ce stade de puissance, et qu'il est simple pécheur, mais il s'est laissé emporter par cet orgueil et a fait que, ben, il est allé chercher cette sainteté alors qu'il n'avait pas ce droit, en fait. Et peut-être que pour nous aussi aujourd'hui, en tant que responsables, hein, c'est de regarder à ce que Dieu a fait, et qui il est et qui nous sommes, de se rappeler que nous sommes pécheurs et que nous aurons toujours besoin de Dieu, à quelque position que nous soyons, dans les bons comme dans les mauvais moments. Nous aurons constamment besoin de ce Dieu et de se laisser toucher par l'amour et la grâce de Dieu afin de nous modeler. Donc c'est un message pour nous aussi aujourd'hui, un message encourageant aussi, de se dire que nous sommes tous pécheurs, hein, qu'on soit président, qu'on soit roi, qu'on soit pasteur. Nous avons tous besoin de Dieu et de sa grâce, comme Dieu a touché aussi Ésaïe. Eh bien, nous aussi, nous avons constamment besoin de se laisser toucher par la grâce de Dieu afin d'être purifiés de nos péchés et de pouvoir continuer à œuvrer pour notre Dieu dans la bonne disposition de cœur. Ok, merci. Merci beaucoup, pasteur Tehuyari, hein, pour tes réponses. Remets-toi... et
tatatouf atirir at imhana. E Europa ye ye harin eto tatour oin ia. Nin hep eta to e fahaha ya tato nin het op in mofia fa tine ya tato e fahaha ya tato e hia nin het o ya tato e hia e proen mate proen wo hoite ye te vere ane ho e fan hor a no te turu e no te ap e ya tato mofia fatere eta retia tatod mo pra urmitua tatod mo pra pretiteni tatod mo pra mero eta retia ihap eta to ia ia topa rotote ie te ie hara o te fa urua maruru maruru mo te urmitua herehia ta maruru me te jorge no te uira te vera ni te rav e ar tot eta retia me te peu e wa riroro a vo te te tata te o te o te te tata wa i te no 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 te a i te tu te te pa e o vo te i te vei rane te te rau e tu te tare tia i poro uo i a tato te peu e i tapha no te ha o te mea te rau ea ti roto i a tato shu ti roto i a tato shu te hinaro ne o hui mencho ta tato i rawa i roto i teia te pene ono e i rawa pa ea i te iat pene ono i rawa pa. Te nā ora pei te nā tō te reo wharani. Alo je di, malheur à moi. Malheur à moi. I unei, te i te ra tātou o i te ia, e paru pei e hui pei tātou, e hapa i te hupa hape tāna i rawa. Te i unei me tātou a mo i te ia, e te hupa ino tāna i rawa. Trara, te hina arora onai whā i, e atahara ana mua te aro te atu. E whāi, ai, me te pau, ai tō te atua e tō te ora, a, e zero, e aore o te pupu. Tēnei, e te tērā, e anei roto te tāre tia, e mano nei vō. I hapaha tātou e imi te tērā, e a, no roto me te tāre tia, no te ha. O te mea, te e taha i a, me te pau, te hin aro ne tātou, i a tātara me a tātou, nā roto me te e fifi. I hato o tātou, me te pau, hei tātou rito te puta e te tiera. Te ie tō te whanho a ta te ie mera hei rei a, ta te mera hei. No te ie tō te o te o tōna, te hi a e ona. Tēnei, hei nā me tātou i unei. E para ua ti roto ia tātou, te ia tātou rata pahono a, e o ia tātou ia whai, te atua, ta tahara no o te ipe. No atua peretitini wa, no atua e oru me tua, noa tua e ti e mata mua, ti e o te itari tia. E o tō tātou wha, e o tō tātou ia i tara a au hea, l'humilite, e o tō ia i a tātou tara, ia roa ia tātou tara, no te ha. O te mea tin aro tara o te atu. Noa tua o haama, o haama ni mei e mei te atu i tātou. Noa tua i mei te atu a te teimo, mo haama i te atu tātou ora a. I haamaruru tātou i te atua. I hara tātou whaariru e tara. Tos whaateitei a tātou mua te aro te tātou. E ita. Me tā tātou te iohone te amu te ari utia. Nā te atua so e whaahe ai anu. Tēnei, e au i a tātou te tētou haapu i anu tātou e whaatere anei, perititini anei, orometu anei. E au toi a tātou e whaaheha. Whaaheha ai a tātou. E anin he tō tātou e whaai. E whaai. O tātou mōhara. Ia whāri e te atua me te pua e tō e roto tō ura rā e āore mō. Te eri pēti te mō pahono rā, no te pahono rā i te iewi a fōf a mō no tātou, no te hāno te mea i au ia tātou nā mōaro. Ia whāri e me te pua e tō te atua tō tātou ura rā i te hāri mō. Maruru, maruru mai te orumetua herehia, maruru mai te tā oe maupahono rana tātou te ipipi. Merci beaucoup, Pasteur Tehuyari, pour les réponses que vous nous avez apportées ce matin. Merci pour vos contributions, merci pour vos éclaircissements. Merci aussi d'avoir planté le décor hein, pour l'historique, pour que nous puissions comprendre mieux, comprendre plus
Donc les enjeux de cette leçon que nous avons aujourd'hui, eh bien nous allons continuer donc cette leçon que nous avons traitée aujourd'hui, eh bien demain nous aurons pour titre Saint, Saint, Saint. Eh bien, en attendant demain, nous vous souhaitons une belle journée. N'oubliez pas notre rendez-vous de demain de 10h à 11h. C'est en enregistrement, mais nous serons là demain et nous voulons remercier le Seigneur pour pouvoir le faire, pour que la technologie puisse remplacer notre absence. Eh bien, merci infiniment à notre Seigneur. Eh bien, nous allons nous quitter avec la prière de notre pasteur Herehia. Au revoir et à demain. Ore tatu ite tua, tomato metua, tomato atua, moa moa, moa ue e Jehova tapo. Te hinaro ne matou te ipipu ha maruru ya. No te ie tumuparo, no te ie aamu o te ari utia. Te hinaro ne matou i ha maruru ya, no ta ue para, no to oe varua meite, maruru te atua. Tot mo happy at otamato i faro eni maru e te hin arone mato i te ani taparu yao miti po no atu wariro mato miti ar i uti o te at eut eu a eta eta tona a i taparu he atu nei mato yao ya faori mi o i tri otamato ha tomato fatu ya ninhe oi hamit e ya ya matu itrua au te ma ya ninhe o to oi varu amit ya papiti to ya matu itipu ite papiti to te varu amit maruru at o te tua o te mat heti api ta oi i ho o mai no matu maruru at o to matu fatu no te mau puri o ta oi pahon te hinaro te tamo nei matu te puri no te ie o te ie tiro tiro, te hinaro nei mātou e tāmo te pūre no te e mōwhia o te ruihia, o te imehia, janen he oe i a aora i a rātou. Tō mātou whatu, maruru me te ino tō oe here, tō oe aroha, i a mātou nei e te atahara. Te e tā mātou pūre te ipu, a ori me tā mātou ha, i roto te iua, o tō mātou whatu, i a ietu metia, Tomato e pure atumi. Amen. Amen.